Yo bro, attends, je finis ça. Du saumon avec du pain. Protéines, bro. J'ai repris l'entraînement. Ah. Il y en a qui me critiquent parce que mes vidéos, elles sont nulles. Mais quand tu vas voir là, quand je vais te dire ce que je vais te dire. Ah, tu vas. Ah là là, ah là là. Je m'appelle Laurent, je suis créateur de la Training Family, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler de Fahrenheit. Fahrenheit, c'est un bot indonésien qui trade 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui va aller chercher. Son objectif, c'est d'aller chercher les 1% par jour. Tu fais le calcul. Il y a 30 jours dans le mois, d'accord? Des fois 31, des fois 28, des fois 29, ça dépend, hein? Bon. On va dire qu'il y a 30 jours dans le mois. Il y a 30 jours dans le mois et son objectif, c'est d'aller chercher les 1% par jour. Donc, si tu fais le calcul, son objectif, c'est d'aller chercher les 30% par mois. Un truc de malade. Donc, c'est Fahrenheit. Fahrenheit, un robot indonésien. Alors, j'avais déjà parlé de Fahrenheit. Hein. Je suis le premier à avoir parlé de Fahrenheit sur YouTube. À moins qu'il y en ait un autre qui ait parlé avant. Mais moi, je n'ai pas vu de vidéo dessus. Et donc, au départ, ce qui s'est passé, c'est que ils ont ouvert les portes pour l'Europe, la France, la Belgique, la Suisse, etc. Sauf que au niveau des paiements en crypto, bah ça le faisait pas, tu vois, parce que voilà, il y a des choses qu'ils doivent revoir, etc. Donc ça traîne. Normalement, on devait démarrer début septembre. Là, au moment où je fais cette vidéo, on est fin septembre, toujours rien. Donc du coup, au sein de la Trading Family, je suis le créateur de la Trading Family. On a cherché des solutions pour que le maximum de sisters et de brothers puissent avoir accès à Fahrenheit. Et on l'a trouvé. À force de travailler, à force de cravacher, à force d'y aller, bro. Parce que tu ne le vois pas, tu me vois ma tête sur YouTube. Oui, voilà. Mais derrière, il y a énormément de boulot, il y a énormément de choses qui se font en coulisses. Et voilà. Et on a trouvé une solution pour que le maximum de sisters et de brothers de la Trading Family puissent avoir accès à Fahrenheit, puissent avoir accès à ce robot de trading qui trade le BTC et l'Ethereum. C'est un truc de malade. Je vais te montrer la puissance de ce robot. D'accord? Je vais te montrer la puissance de ce robot à travers différents résultats. Aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, on est mercredi. Donc, du coup, je vais te montrer les résultats du lundi, les résultats du mardi et les résultats du mercredi. Alors, ne regarde pas mon assiette, j'ai presque fini. Je vais te montrer les résultats du 27. Regarde un petit peu le résultat du 20. Attends, c'est un peu flou. On va faire comme ça. Voilà. Résultat du 27 sur Ethereum. Ethereum contre le dollar. 15 dollars ici, 472 dollars ici. 487 dollars et 83 centimes. Alors tu me diras, mais d'accord, mais quel est le capital? Alors, il s'agit d'un compte indonésien, donc il ne s'agit pas de mon compte, d'un compte indonésien, et sur ce compte, là, il y a 50 000 dollars. Donc tu fais le calcul, on est proche des 1%. Ok? Alors, je vais te montrer encore, donc choisir la période, le 28. Voilà, le 28. Donc, il a tradé l'Ethereum. Le 28, comme tu peux le voir, là, il y avait une perte. Là, un gain et un autre gain. Et il a atteint les 512 dollars. Donc, dépassé les 1%. OK? Ça, c'était pour le 28. Et le 29, choisir la période. Choisir la période. Donc, le 29, c'est-à-dire aujourd'hui. Je clique sur prêt. Voilà. Ah non, ça n'apparaît pas. Oui, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, il a tradé le BTC. BTC contre le dollar. Et il a fait 525 dollars. Alors, je clique ici. Et tu vois bien que c'est marqué Fahrenheit. Hein, ce n'est pas du pipeau, ce n'est pas du mytho. C'est bien Fahrenheit. Voilà. C'est un truc de malade. Et nous, au sein de la Trading Family, eh bien, on va pouvoir avoir accès à Fahrenheit. Les premiers, voilà, les premiers en France, en Europe, on va avoir accès à Fahrenheit. Donc, si tu veux des informations,
sur Fahrenheit. Si tu veux des informations sur comment obtenir, comment avoir accès à Fahrenheit, c'est très simple. Tu vas directement dans la description en bas de la vidéo. Tu cliques sur le lien. Je t'ai créé une page spéciale, hein, le Fahrenheit Club, le Fahrenheit Trading Club. Tu vas directement en dessous de la vidéo, dans la description. Tu cliques sur le lien, tu arriveras sur la page. Il y aura juste un bouton où c'est marqué « Accéder gratuitement ». Tu cliques sur le bouton « Accéder gratuitement ». Et tu auras les infos, d'accord? Je te donne les infos. En fait, tu prendras rendez-vous avec moi, d'accord? On va faire un call, hein, un zoom, parce que moi, c'est zoom, d'accord? Et je vais te t'expliquer comment on va faire pour justement comment tu vas pouvoir obtenir Fahrenheit alors qu'il n'est pas totalement ouvert à l'Europe, puisque les paiements crypto ne se font pas pour le moment sur le dashboard de Fahrenheit. Pour le moment, d'accord, ça va arriver, ça peut prendre un mois, deux mois, quatre mois, six mois, on ne sait pas. Et donc, si tu veux avoir accès à Fahrenheit le plus rapidement possible pour pouvoir faire grossir ton capital et pour pouvoir tout simplement utiliser un bot ultra puissant, eh ben, va directement dans la description. Voilà, et je te donnerai toutes les infos sur Fahrenheit et sur la puissance de ce bot. Franchement, je suis vraiment très content. Parce que au sein de la Trading Family, nous c'est l'entraide, d'accord? C'est l'entraide avant tout. Certains peuvent critiquer, etc., mais nous c'est l'entraide. En tout cas, les vrais bros, c'est l'entraide. Et c'est pour ça que je suis content, parce que tu vois, ça bouge, on bosse, on a trimé, d'accord? Pendant, pas que pour Fahrenheit, mais on a trimé pour autre chose. Les différents tests que je fais, par exemple, je mets mon argent sur la table. Comme là, cette table-là, je mets mon argent sur la table, je mets mes coronesses et je teste les différents business. D'accord? Il y a des business qui marchent et des business qui ne marchent pas. Mais en tout cas, je vais toujours au front, je vais toujours en avant afin d'éviter que d'autres bros de la team perdent leur cash. Après, il y a toujours des bros qui veulent tester en même temps que moi parce que voilà, ce sont des testeurs, ils veulent tester en même temps que moi et donc ils foncent et ils y vont. Mais la plupart du temps, je vais toujours, enfin quasiment toujours en avant, à moins qu'il y ait un autre bro de la team qui a déjà testé avant moi, mais en général, je fais partie des premiers à tester un biz et après, je donne mon avis tout simplement sur ce biz-là et je montre les résultats tels quels sont. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. Et jusqu'à présent, avec Fahrenheit, on a un bro qui a mis son cash sur Fahrenheit et les résultats sont positifs, d'accord? Moi, là, maintenant, au moment où je fais cette vidéo, je vais balancer le cash pour pouvoir aussi faire tourner Fahrenheit pour moi. Ça, c'est vraiment cool. Je suis vraiment trop content. Et si toi aussi, tu le souhaites, si tu souhaites faire tourner Fahrenheit pour toi, ben, c'est très simple. Tu vas directement dans la description en bas de la vidéo et on se colle, d'accord? Et je te donnerai toutes les infos pour que tu puisses avancer vers tes objectifs financiers et vers tes rêves. Parce que c'est le plus important, bro. Voilà, je suis trop content. Je vais finir mon saumon. Et puis, on se capte la prochaine fois. Là, pour Farina, tu peux être sûr que là, je vais faire des vidéos. Alors, les haters ou les espions hein, qui viennent sur ma chaîne Telegram, ben, préparez-vous parce que je vais y aller. Un gros big up à toute la Trading Family, les sisters, les brothers. Et on se capte la prochaine fois. Bim!